nothing looks the same when your eyes are open. Now you're playing these games to keep my heartbeat spinning. Yeah. Show me love, you show me love, you show me everything my heart is capable of. You reshape me like butterfly origami. Payette, tu es artiste peintre depuis combien de temps déjà maintenant? Oh, ça fait une dizaine d'années maintenant que je pratique la peinture. À mesure, en voyageant pas mal, que j'ai commencé à avoir mes premières sources d'inspiration par les couleurs que je pouvais voir dans les pays que j'ai visités, ne serait-ce qu'au niveau des tenues vestimentaires, au Kenya par exemple. La couleur de la terre, tout ça, c'est des choses qui m'ont inspirée et qui m'ont... C'est-à-dire, quand tu parles de la couleur de la terre... tu sais, la couleur de la terre... Je me rappelle bien avoir été au Sénégal et j'étais dans le désert et là, j'ai vu une couleur de terre et de sable que j'avais... qui m'ont... c'était une couleur ocre et safran en même temps. Donc, en plus, ça m'a fait penser aux épices de mon pays, le safran. Et c'est vrai que j'utilise pas mal de couleurs chaudes dans ma peinture. Des couleurs sur les tons cuivre, or, rouge, jaune. Voilà. Ce sont les couleurs qu'on retrouve le plus souvent dans tes tableaux. Exactement, oui. Plutôt couleurs chaudes. Comme on peut le voir, ton terre de ciel, cuivré. J'ai fait une première expo pour le salon des artistes d'outre-mer, étant donné que je suis issue moi-même de la Réunion, donc des Dom-Tom. Et ça a été vraiment intimidant comme, comme expérience. Intimidant mais enrichissant. Parce que bon, ça. C'est comment dire. Ça encourage à continuer parce que là on est face à un public. Donc tu parles de ta première rencontre avec le public hein, quand tu fais ta première exposition. Exactement. Ce côté intimidant là. Oui, ouais, c'était très intimidant parce qu'on a les personnes en face de soi qui nous disent pourquoi vous avez peint ça, quelle technique vous avez utilisée. Et par exemple, ce tableau là qu'on peut voir à l'écran, pourquoi tu as peint ce tableau là et quelle technique tu as utilisée? Alors, sur ce tableau-là, c'est de la peinture acrylique, d'une part. Ensuite, j'ai utilisé des feuilles d'argent que j'ai collées un peu partout sur la toile. Et il y a une partie, en fait, au niveau des bijoux. C'est une partie avec des pièces métalliques que j'ai trouvées là-bas à Berlin, enfin... En fait, petite anecdote, j'étais en train de ranger chez moi. J'avais toute une boîte avec des vis, des clous, des aimants, etc. Et là, je vois un bout d'aimant avec plein de petits clous. Ça formait une espèce de sculpture un peu bizarre. Et je me suis dit, tiens, bah, pourquoi pas essayer d'incorporer ça dans la toile. Et un peu retirer. Don't really need it, but
to still do it somehow. I'd rather be like I was supposed to be. On va revenir sur ton histoire familiale. Ton père est né à La Réunion, ta maman est née ici. Alors, tu es entre deux cultures. Et c'est... Bon, faut bien reconnaître que c'est du côté de La Réunion que les couleurs sont quand même bien plus chaudes. Mais tu parles de safran, tu parles de... Alors, d'ailleurs, Réunion, c'est bien connu pour les épices, pour ses côtés. Alors, est-ce que c'est une façon aussi de retourner, de t'approprier aussi cette partie-là de ton père, enfin? Bah, je pense un peu. De ton histoire, pardon. Ça fait partie de mon histoire, même si je suis pas née à La Réunion, mais c'est clair que je cherche mes racines aussi à travers la peinture. Puis c'est les couleurs que j'utilise, c'est aussi les couleurs qu'on utilise là-bas en cuisine. Enfin, pas que là-bas, mais notamment le safran, le piment oiseau qui est rouge ou vert, enfin, toutes ces couleurs, l'aubergine, qu'on appelle bringelle là-bas. Donc des couleurs assez chaudes comme ça, qui m'inspirent en fait. D'ailleurs, tu es quelqu'un de très joyeux. Ouais, bah, écoute, j'essaye. Pour l'instant, je me concentre surtout sur la découverte, quoi, sur l'essai de différentes matières, de différentes techniques. Étant donné que je suis essentiellement à l'acrylique et que j'ai pas encore testé la peinture à l'huile, pour l'instant, c'est mon prochain objectif. Donc, bien sûr, s'il y a une exposition qui se présente. Bah si, tiens, je viens de penser que l'année prochaine, oui, justement, je dois exposer, enfin, je dois préparer un dossier pour la mairie de ma ville. Donc à voir, quoi. Val de Fontenay, c'est ça, c'est la ville. C'est Nuit-Plaisance. Ah, c'est Nuit-Plaisance. J'ai pas mal de collages aussi, donc c'est des morceaux de papier avec des écritures venant de tous les pays où j'ai été, ou enfin, j'en ai plein, quoi. T'es allée à Paris, alors? Voilà, visité Paris. C'est le dernier pays que tu as visité. Exactement. C'est Paris. Bah, c'est celui où je suis le plus souvent, malheureusement. Enfin, malheureusement et heureusement. Mais... Donc, j'ai tout un tas de matières, des morceaux de billets de banque. Je travaille aussi avec des morceaux d'éponge. Donc, tu utilises l'or, l'argent. Exactement. Et c'est comme dans l'expression, l'or pour exprimer le silence et l'argent. Pour exprimer... pour la parole que tu ne saurais exprimer exactement. Autrement. Exactement, tu l'as très bien dit, Marie. C'est pas moi qui l'ai dit. Qui paraît, c'est ça. Bon, alors je vous montre une infime partie, parce que c'est vraiment pas facile à filmer. Surtout avec les petits moyens que j'ai, donc le téléphone portable et un trépied qui fait ce qu'il peut. À côté de moi, j'ai un tapis. Là, je peux vous dire que je n'ose bouger. Je n'ose bouger. Tant il y a des choses autour de moi. Donc, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba, voilà, la caverne de Nelly Baba. Je te remercie de m'avoir reçu chez toi et de m'avoir offert ce superbe repas déjà, qui est un rougail saucisse. C'est moi qui te remercie. Je me suis vraiment régalée. C'est pas la première fois que je me régale, mais vraiment, je me suis régalée. Et puis, merci de nous avoir un peu dévoilé une partie de toi. Merci à toi surtout. Le bal des rencontres, c'est vraiment sympa comme concept et ça permet de faire connaître des artistes
méconnue encore, on va dire, comme moi. Et puis, je t'inviterai avec plaisir pour remanger la réunionnais. Voilà, donc c'était pas facile hein, pour l'interview, c'était parce que évidemment, on n'a pas encore fait énormément d'expositions. Exactement. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, tiens Bah écoute, des expos à venir, des commandes, voilà tout ça. De l'expérience acquise. Alors on fait semblant de se faire la bise, même si ça va être la 10 000e bise de notre Alors, vie. Merci beaucoup Marie-Claude. Merci ça beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir. Vraiment. Merci bien. Merci. C'est vraiment sympa. Et bah, je te raccompagne. Bah, j'espère bien parce que je ne trouverai pas le chemin. Bien. À bientôt. Okay. Ciao. Ciao, ciao. Cette toute première exposition, J'essaie de rester sérieuse. What you think?